C'est ton prénom ou ton nom? Mon prénom. Ouais, bah du coup, je peux sortir tes cheveux. Bonsoir, bonsoir, c'est Carré. Je suis India. Bonsoir. Ça va ou quoi? Ouais, dis-moi, est-ce que mon son est bon ou pas trop? Eh, ton son, il est carré de fou. Ok, carré dans l'axe, comme on dit. Il est carré. Et c'est comme un rond, le carré. Le rond, c'est comme le carré, mais sauf qu'il est triangulaire. Tu aimes pas? Ouais, bah nique ta mère. Wow, c'était agressif de fou, c'est carré de fou. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next. Yo, 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 bien quoi? Ouais, bonne soirée. Yo, ouais, man, comment tu vas? Bien quoi? Ça va, moi je suis dans le. Yo, ça va ou quoi? Tranquille, hein. C'est qui le mec sur ton pull? Tu peux me dire pourquoi? C'est pas qui c'est, man? Ton pote là, c'est le cosplay de. Non, dans qui? Ah non, mais c'est mon pote, je le reconnais, c'est ton pote. Bien sûr! C'est ton pote, elle a tout capté. Ouais, ton pote, c'est un bon de fou. Mais attends, c'est une mytho, elle. Non, bah non, bah pourquoi? Ça va pas ou quoi? Si vous voyez un petit truc tout poilu et tout qui fait du bruit, vous pouvez me le dire. T'as perdu des poils de ta. Ouais, non, moi je me suis jamais rasé la chatte. Bah alors, c'est quoi le problème? C'est mon écureuil. T'as un écureuil, toi? T'as un écureuil, toi? Ouais, mais. Sûr, trop gang. Mais genre, il va en cours et tout, le bordel. Ouais, il est dans mon sac. Généralement, je mets un petit morceau de fromage, une petite noix, il ferme sa gueule, tu vois. Mais là, il est mort étouffé, la cousine. Il est où ton sac? Je voulais que je lui dise un truc, je claquerais bien, gros. Comme d'hab. Je claquerais bien quoi? Ouais, je fais ça tous les jours, genre le matin au petit déj. Sinon, t'as quel âge? J'ai 18 ans. Et... Ah ouais, t'as 18 ans? Ouais. Moi j'ai 16 ans. Ah ouais, non, moi je veux pas aller en prison, hein, tout ça. Ça va, j'ai 16 ans. Mais en vrai, je suis mature, hein. Ouais. Je te jure, je suis grave mature, hein. T'es youtubeur ou pas? Comment ça? Non, rien, c'était pour savoir. Et toi, man? Ouais, y'a quoi? Attends, je m'échauffe, je vais lui mettre une patate stellaire à elle. Attends, excuse-moi, je refais mes lacets pour être qui vient de se passer. Vas-y, vas-y, hein, fais bien tes lacets, hein. J'ai toujours mon gun sur moi, mec. Ouais, ça va ou quoi? Ouais, désolé, je faisais mes petits étirements quotidiens, t'as vu? Je te jure, c'est notre pantard plastique. Je suis allée la voir, je commence à lui parler et elle me dit un peu de décent, je sais pas quoi. Je suis bonjour à tous, bonjour les élèves, je suis ravie de vous rencontrer. Bon, ça va, c'est bonjour. Carré ou quoi? Vous allez super bien vous entendre avec Nova, elle dessine, madame. Ouais, hey, Nova, que je maîtrise le plus, c'est la beauté, moi. Ah, très bien, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, vous allez pouvoir exprimer toute votre créativité lors de mon cours d'art plastique. Tiens, moi, tu veux lécher ma boule? Je veux bien apprendre à dessiner avec vous, madame. Vous allez apprendre madame, à vous, vous a... Madame, vous voulez lécher ma boule? Non, merci, c'est gentil, j'ai déjà mangé. Mais vous avez ça où? Mais je crois que j'ai trouvé ça par terre, c'est en plastique, t'as vu? Pourquoi t'as pas plus... Vas-y, je marche très lentement, t'as vu? Parce que tu fais comment? Ah ouais, bah c'est le style, ouais, c'est normal. Ah ouais, t'as le style, man. Ici, on prend notre temps de fou. Ouais, ça va ou quoi, toi? Bah, je sais pas, t'as vu? Moi, je viens de Chamberlain, man, et toi? Chamberlain? Et toi, tu viens d'où? Moi, je viens de Chicago. Eh, mais toi, t'es pas un élève, c'est pas possible, t'as une calvasse de fou. Professeur, je suis professeur, vous voulez me vanner ou quoi? Bah, non, je veux pas te vanner, mais frérot, tes cheveux, ils font la gueule de fou. Professeur de chimie, les gars. Viens, on trouve un coin, viens. Ah ouais, trop bien, on va faire quoi? Des cocktails Molotov, tout ça? Des mélanges assez lugubres, bizarre, totalement venus des profondeurs. Vous verrez très bien. Oh, vas-y, j'ai hâte, c'est carré de fou. Et toi, je t'aime bien, tu vois. Les portes sont ouvertes, chers élèves. Rendez-vous tous dans les bus, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Bon, je démarre sans vous, hein. Oh, attendez, si vous êtes pas rentré dans le bus, je pense qu'il y a plus de place, à mon avis. Comment ça, il y a plus de place? Il y a au moins 12 places à l'arrière. Je me suis fait niquer. Mais oui, regarde, il y a plus de place derrière qu'ils ont fait. Ah, après, j'avoue, j'ai étalé mes jambes. Ah, mais t'as des sacrées jambes, toi. Ah, vas-y, t'as pas vu ce qui entre, hein. Les gars, il y a plus de place, montez sur le toit. Attendez, le monsieur là-bas, attendez, monsieur. Accélère! Accélère, il y a un gars bizarre qui nous suit là! Bichette, je vais le prendre quand même. Faut qu'il ait un diplôme. C'est qui la vie? C'est des gamins. Wouah! Mais comment ça? Mais wesh! Tout va bien. Eh vas-y, c'est déjà la fin de l'aventure ou quoi là? C'est pas grave, d'accord, il faut relativiser. C'est que matériel, t'as vu? Exactement, c'est que du matériel, ils vont ramener un bus tout neuf. Chauffeur, si t'es champion. Chauffeur, si t'es champion.
quelle horreur. Eh vas-y, j'ai envie d'arriver là, faites vite là. Ils sont à la cantine déjà, les autres. Oh, ils sont déjà à la maison, ils ont déjà fini leur journée de cours là, dépêche. C'est un coup de fou là. Juste on arrive à l'école et après on commence à quelle heure on doit y arriver, hein. Ouais, c'est quoi ton nom, toi? Moi, c'est Amin. Et toi, Aziz, tu viens d'où, Aziz? Ça veut dire Amin. Un nom béni quand même. Mais. Il va falloir mieux voter aux prochaines élections américaines, hein, je vous le dis. Comment ça, mon ref? Attends, mais lui, c'est un rasselard, lui. Mais hein. Non, on est arrivé. Et on court pas, s'il vous plaît. Ça va, vous allez doucement, doucement. Doucement. Ouais, ça va ou quoi, cousine? Je vais aller manger, madame. Ah bah, nous, notre bus, il s'est retourné, t'as vu? Ouais, j'ai vu ça, man, dans le rétro. C'était un truc de fou, j'ai kiffé. Ouais, il s'est passé quoi, là? Bah rien, j'ai dit à quelqu'un que c'était mon pote, il a dit que c'était pas mon pote, du coup, je l'ai braqué avec mon doigt, et du coup, il a pas kiffé, et on s'est embrouillé et tout. Attends, tu parles de ce bâtard avec sa teuté, là, ou là? Non, je parle du faux rappeur, là, le roux. Ouais bah voilà, ouais, je parlais du bâtard avec sa teuté là-haut. Lui là, bah, sa peu coup, elle est effrayante. Je sais pas, on dirait un dinosaure, il a chié sur son crâne, hein, ce bâtard. C'est un truc de fou. Bonsoir messieurs, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va tranquille. Eh, d'Ivoire, Elvis Presley, j'ai une petite question là, vite fait. C'est à quelle heure il se passe des bails là? Vous savez, moi je suis professeur de musique, je suis pas directeur de l'école là. Oh bah, vous jouez quel instrument vous? Oh bah un peu tout, j'ai traversé les époques donc je m'adapte. Et vous? Ah bah moi je sais pas frère, hein, c'est chaud de fou, hein, moi les instruments... Vache. Je sais pas frère, c'est chaud de fou. Ouais c'est chaud. Alors que ma question était pourtant simple, hein. De quel instrument jouez-vous? Ah, je sais pas frère, c'est chaud de fou. Bon, retenez cette phrase parce qu'on s'en servira dans la comédie musicale de fin d'année. Ah ouais, alors, comment ça une comédie frère, musicale? Genre je vais devoir chanter et tout. Alors toi et les autres, mais retiens bien cette phrase, il faudra que tu la ressortes au bout d'un moment dans le spectacle. Vas-y, c'est quoi, répète, j'oublie ce que je dis. Je sais pas frère, c'est chaud de fou. Je sais pas frère, c'est chaud de fou. Ouais, et c'est pas facile à dire en vrai, hein, tu vois, de fou, hein. Vous êtes quoi? Vous êtes un artiste? Vous êtes un acteur? Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça, comédien. Ah. Et vous comédiez dans quoi, vous? Principalement le théâtre. Hein. Ok, jouez la colère pour voir. Waouh, vous êtes trop fort. Ok, jouez la tristesse. Attendez. Je suis enchanté, allez dedans, ouais. Waouh. Vous voyez? Waouh, jouez la surprise, la surprise. Ah, attendez, c'est ma spécialité. Oh. Waouh. Oh. Oh, non, c'est trop là. Tu vas la manger, c'est pas très fameux. C'est un chocolat, fais-moi. Vos cigarettes dans la fontaine derrière. Ok, je vais les manger. Vas-y, mange-les, regarde. Pierre, donnez à Bachir, il va les manger. On va manger. Oui, je mange les. Oui. Vas-y, Bachir, essaye. Wesh, qu'est-ce qui se passe? Wesh! Oh, dégage, bâtard! Vas-y, hé! Mais je sais pas, il m'a même pas demandé ce bâtard, il a pris ma teub et il l'a gobé! C'est un truc de fou! Ça va, Jordan, tu te remets tes émotions là! Eh, par contre, il suce comme une reine ce bâtard! Bah ouais, mais j'étais pas consentant! Le directeur est là, un peu de silence, s'il vous plaît, mettez-moi en rang! Bon, c'est bien, c'est déjà, vous aimez bien l'école? Directeur ou un Rottweiler? Ah oui! C'est mon daron, pas? Oui, monsieur le directeur! Il a l'air d'être en dépression. Ça va se passer très simple, cette école-là, cette année. Ça va être très simple, d'accord? Vous allez me suivre déjà? Taisez-vous! On va se rendre à l'amphithéâtre, on va faire une réunion tous ensemble. Alors, c'est pas. Vous devez donner vos affaires. Je sais même pas c'est qui le directeur là, j'écoute pas, t'as vu? Silence, on va monter, venez, suivez-moi. Avec la cravate là, il a une perruque ce bâtard! Vas-y, comment on s'assoit? Comment ça, on s'assoit? Tu poses ton cul sur la chaise? Ah, c'est pas con ça. Bah ouais, c'est pas con. Bon, déjà, je tenais à m'excuser personnellement pour mon retard. C'est dû au concierge qui a oublié de me réveiller ce matin. Je sais que ça se reproduira pas. On est une école qui se veut rigueur, hein, beaucoup de respect, beaucoup de considération. Je vois beaucoup de redoublants cette année parmi vous. C'est la crime, le proviseur. Des gens que j'ai pu voir auparavant et qui sont encore là. Ça me désole. Ça me désole fortement déjà de vous revoir ici. Mais ça me fait aussi un peu chaud au cœur de me dire que voilà, il y a des élèves qui sont... Pardon ? C'est qui qui se permet de faire une remarque ? C'est le roux, là, c'est le roux. Si c'est permis de faire une remarque ? Pas moi. C'est qui ? C'est le roux avec habillé en bleu, monsieur. N'importe quoi ! Un surveillant, s'il vous plaît, vous me le mettez dehors. Allez, viens, dépêche-toi, là. Ça fait 2-3 fois qu'on te reprend, là, descends. Descends là. Je vais laisser dans un premier temps les professeurs se présenter un à un. Je vais aller voir les élèves sanctionnés dehors pour leur faire un petit débrief. Je reviens et on reprend la présentation de l'école, d'accord? Oui. Oui, merci. En silence.
Bonjour à tous, chers élèves, je suis Monsieur White, votre professeur de langue. Et non pas celle que vous pensez. Parce que je sais très bien à quoi vous pensez. Et je crois que c'est à peu près tout. Ouais. Enchanté. On va perdre plus de temps qu'on ne l'a perdu avec notre superbe conductrice de bus. Donc je serai le nom. Chers élèves, je suis Monsieur Burton, votre prof de culture générale. Alors j'espère qu'avec vous, on va passer une belle année en tout cas et développer notre sens de la culture générale et de philosophie et de géographie. Je sais que vous avez beaucoup révisé en tout cas cette année et on va tester votre aptitude, bien sûr. Voilà. Oui. Je vous remercie en tout cas, merci monsieur. Très bon commentaire, merci beaucoup. Venez vous présenter, venez vous présenter. Ça commence seulement à sentir. Vraiment ? Oui, oui, vous présentez-vous. Dites-leur ce que ça fait, on va parler un peu de vous. Racontez-leur. Excusez-moi. Allez-y. C'est un si grand honneur, monsieur le proviseur. Et merci, merci à vous, merci à vous. Allez, 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 merci beaucoup. Merci. 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 Alors, le fonctionnement de l'école, ça va être très important et je vous demande à tous les élèves d'être très très attentifs sur ce que je vais dire, ce que je vais vous expliquer. C'est primordial. Vous pouvez arrêter de passer le balai, s'il vous plaît. Vous pouvez arrêter de passer le balai. Allez nettoyer mon bureau. Allez nettoyer mon bureau. Désolé, monsieur le proviseur. Allez, allez nettoyer mon bureau. Excusez-moi. Par contre, monsieur le proviseur, vous pouvez lui parler correctement. Monsieur le proviseur, un peu de respect, s'il vous plaît. Un peu de respect. Attention. Attention. Non, là, il est en train de faire un travail. Il a raison. Il va avoir un discours sur le respect, quoi. C'est pas un chien. C'est pas un chien. Attendez, attendez. Plez-vous de vos affaires. Je suis directeur de cette école. Et c'est pas une raison. Il n'accepte pas mes prises de décision ou mes prises d'autorité, il peut prendre la porte immédiatement. Alors s'il y en a un qui est pas d'accord, il le dit tout de suite. Non, je dis hack. On s'en promet là-bas, je suis d'accord. Et ta gueule, t'en comprends rien, frère. Pour ce qui va être des classes, elles seront définies dans la journée. Vous verrez comment, je vous l'expliquerai juste après. Barkins Jordan, Barkins Jordan, Barkins Jordan. Monsieur Barkins Jordan. Vas-y, je crois c'est moi, mais t'as mal prononcé mon ref, hein. Pardon ? Mon ref ? Non, je suis pas le genre de langage ici, monsieur. J'ai pas dit ça, excusez-vous. Ça va. Vas-y, excuse-toi. C'est monsieur. C'est monsieur. Okay, excuse-toi. Regardez-moi monsieur. Dans les yeux quand vous me parlez. Excuse-toi, monsieur. C'est monsieur, excusez-vous, monsieur. Monsieur, pardon, monsieur. C'est une perruque, ça. Non, non, ça vous regarde pas. Ok. Excusez-vous. Excusez-moi alors. Eh bien, vous pouvez vous présenter, monsieur Barbonx. Pardon ? J'ai dit présentez-vous, monsieur Barbonx. Bon, je m'appelle Jordan Birkins. Voilà. Allez, donnez-moi votre téléphone si vous avez un. Vas-y, c'est du racket, je l'ai acheté une blinde, hein. Et, écoutez, je vais noter votre nom dessus et à la fin de l'année, si vous avez une bonne note, on vous le rendre. Et c'est à moi maintenant. Voilà. Moi non, mais non, vas-y, il est encore neuf. Déconne pas, il est encore. J'hésite à noter ton nom, j'hésite. Mais non, j'ai acheté une blinde, vas-y, mais moi. Combien ? Combien ? Combien j'ai de téléphone ? Non, combien vous l'avez payé ? Soyez réfléchis, s'il vous plaît. On voit bien que vous êtes à l'école pour apprendre. $1000, t'as vu ? En fait, je l'ai pas vraiment payé, t'as vu ? Ah oui, vous l'avez volé ? Non, mais il vaut 1000$. Il vaut peut-être, ça m'étonne pas. Pardon ? Ah oui, vu votre comportement. Non, ça va. Oh, déjà, oh, calme-toi. Tu pues l'alcool, déjà, calme-toi. D'accord. Comment ça, calme-toi ? Vous calmez. Non, vous toi, t'es qui avec ta salopette de bâtard ? Oula, bâtard. Bah oui, frérot. Je pense qu'on va se battre, vous et moi. Oui, non, on va pas se battre, on va pas se battre. Eh, salopette, hein ? Quéquette, hein ? C'est quoi votre nom ? C'est quoi votre prénom ? Vas-y, je balance pas. Ah ouais ? Bah ouais. Eh bien, écoute bien, j'ai retenu ta tête. Et toi, je vais te mettre 2 heures de colle dès que je te vois. C'est bon, bah. Combien d'heures de colle ? Non, t'es fou, par contre. 2 heures de colle. Non, vas-y, vas-y, tranquille. Vas-y, vas-y, tranquille, c'est quoi ? Vas-y, je m'excuse, tranquille, vas-y, y'a pas de galère. Voilà, excuse-toi. Voilà, on oublie, vas-y, c'est fait. Non, j'ai dit excuse-toi. Ok, je t'excuse. Je m'excuse. Je t'excuse ? Non, je m'excuse, toi. Mais toi, toi, non, moi. Mais je t'excuse, mon ref, t'es là, tu fais quoi, je m'excuse, non, bah, moi, je m'excuse pas, parce que c'est toi qui t'excuses, c'est moi, je te dis je m'excuse, parce que tu me demandes ce que je te demande. Du coup, si tu me demandes ce que tu manges, je te dis. Tu m'as craché dans l'œil, frérot, t'as vu ? Désolé, ça va ? Voilà, bah vas-y, je t'excuse et tu m'excuses et on s'excuse et tu t'excuses. Très bien, je m'excuse. Eh ben, je m'excuse. Excuse-toi. Bah voilà, je m'excuse, vas-y, tranquille. Ah, très bien, bah je t'excuse. Oui, mais voilà. Allez, mais non, voilà. Je vais comme elle plus tard. En noir et blanc parce que t'es morte ? Non, t'as vu, genre, alors, madame, ça coupe. Ça, c'est une vraie coupe, ça, non ? Ouais, mais 1855, cousine, hein. Eh, on est en 2023, hein. Faut être actualisé, hein. Ah oh ouais, tu crois que c'est elle qui a inventé l'eyeliner parce qu'elle est maquillée sur la peau. Par contre, j'avoue, elle est maquillée de ouf, hein. Tu penses qu'il y avait des sortes de filtres comme là, là ? Vous savez ce que vous devez faire ? Ah non, vas-y, les téléphones, ça existait pas. Eh, les téléphones, ça existait en 1900, 1890, je crois. Non, ma grand-mère, elle en avait un, elle parlait avec son mari à la guerre. Bah oui, bah c'est ce que je viens de te dire. 1890.
Non, dans les tranchées, mon la guerre, réfléchis, c'est un truc de... Oh, la guerre, c'est quoi? La guerre, c'était 1892-1893. Ouais. Bah voilà. Ah, donc c'est vrai que mon bébé, il a envoyé des nudes à ma grand-mère, alors. C'est quoi, ça? C'est quand t'envoies, genre, ou en maillot de bain, tu vois. Une fois, il y a un mec qui m'a demandé de lui envoyer une photo avec un déo dans la chatte, j'ai paniqué. Et tu l'as fait? Non, ça va pas ou quoi? Ça rentrera jamais. T'es sûr? Bah ouais, je suis vierge, mais tu le dis à personne. Ah vas-y, moi tranquille, ça me regarde pas de fou. Ouais, c'est vrai, mais vu que t'es mon meilleur pote, bah... Bah moi j'étais vierge, mais je me suis fait sucer dehors, donc je crois que je suis plus vierge, t'as vu? Tu vois le bah lui là, bon moi j'ai pas besoin de vous dire qui c'est. Ah la sale répute, ah la sale répute Karim. Je vais le détruire. Ouais, tu représentes Tupac. Bien sûr, Tupac dans mon âme. Tu sais qu'il s'est converti juste avant de mourir. Et ah ouais, shooter. Ouais, Soji l'a tué. Soji l'a été tué. Mais Machallah avant, au moins il s'est converti, tu sais. Putain, peut-être je devrais faire comme lui. Si je trouve une arme, je te tire dessus si tu veux, on essaye. Mais convertis-toi d'abord, Ourti, d'accord? Il faut que tu rejoignes la Ouma. La important Ouma de rejoindre la... Ouais, il faut rejoindre la Ouma. Ah ouais? Genre c'est quoi? Vas-y, écoute pas, ça a l'air bizarre de fou son truc là. On va passer à la cantine. Ah, va m'aider! C'est la sonnerie de la cantine, mettez-vous en rang. C'est où, commode? Vas-y, et toi, tu sors le foin. Bah oui, ça sent beau. Non, vas-y, arrête, s'il te plaît, vas-y. Eh, je peux vous poser une question, Nagasaki? Ouais, dis-moi. C'est la teuté, c'est l'accident de bus tout à l'heure ou... Mais non, mais frérot, je m'entraîne avec les frérots du Daguestan, moi. Je fais du grappling, frérot. C'est ma tête, elle frotte le sol. Si tu veux pas que je te casse ta bouche ici maintenant. Tu veux ma tête? C'est quoi ça, du grappling là? Ah ouais, comment ça vous cache la bouche des gens? Franchement, c'est quoi? Les gars, on a un super gros problème. J'ai même pas envie de te taper parce que ta teuté, elle est déjà carrée de fou. Bon quoi? Ouais, ça va et toi? Ouais, t'essayes encore d'amener des gens dans ta secte ou quoi? Non, Rick, je sais très bien que... De toute façon, ma mère, elle est éleveur de porc, donc je sais très bien qu'un cerveau est planté, c'est un cerveau éplanté. Mais c'est quoi, un tender de porc? De quoi? Que t'as dit là, un tender de quoi? Non, j'ai pas pris, j'ai pas mangé. Non mais, il est 14h, je mange qu'à 15h. Pourquoi tu fixes le sol comme ça? C'est bizarre. Parce que j'ai peur de te regarder tout à l'heure, tu m'as menacé, tu m'as dit, regarde. Mais je t'ai pas menacé. Eh, je t'ai pas menacé, moi je t'aime bien, t'as vu, mais tu t'appelles Jean-Charles. Non, je m'appelle Aziz. C'est vraiment Aziz, mais c'est pas grave. Tu peux essayer de m'appeler Jean-Charles. Non, vas-y, moi je respecte, t'as vu, je vais t'appeler Aziz, ça va ou quoi? T'es cool. Vas-y, c'est carré, y'a pas de galère. Vas-y, Aziz. J'ai été traumatisé, tu sais, le nom Jean-Charles, tu sais. Pourquoi? À chaque fois, il me regardait dans les yeux, il me disait « Hey Jean-Charles, petite pute, viens là, petite pute !» Et je lui disais « Maman, c'est Jean-Charles, tu peux m'appeler Aziz comme tout le monde ?» Il m'a dit « Écoute, je t'ai pas donné un petit nom de pétasse, mais tu vas t'appeler Jean-Charles, espèce d'enculé, viens là !» Pour ça, je suis un peu traumatisé de ce nom, tu comprends? Ouais, je comprends, t'as vu, c'est carré de fou. Mais t'es traumatisé par la pute ou par Jean-Charles? Par Jean-Charles, c'est Jean-Charles qui est traumatisé. Ouais, d'accord, je comprends bien. Bah vas-y, Aziz, passe une bonne journée, t'as vu? Ouais, vas-y, ça marche. Passe un agréable repas. Tupac quoi. Oh ta tête mon ref, okay, c'est chaud. Ok, tu peux me chanter un son Tupac? Vas-y, tu te recaches Bobby. Can I get some burger with a peanut butter? Ouais, genre un truc comme ça je crois. Eh vas-y Nova, chante du Tupac. Ni le colonel Sanders, ni les messieurs. Ouais regarde. And I know what you do, and I know what to talk see. Ah c'est Tupac ça. Moi si c'est Tupac. Si c'est Tupac, vas-y je vais. Ah oui les élèves s'il vous plaît. On va passer à la distribution de vos casiers. Néanmoins, on est un peu en retard par rapport à la fête foraine. Ça risque de fermer parce qu'on vous emmène donc à la fête foraine. Donc vous allez choisir un casier dans le rez-de-chaussée de l'école, le casier de votre choix. Vous restez devant et vous allez au bureau du surveillant et vous communiqueront vos codes, d'accord? Quand vous avez eu votre code, vous revenez tous ici devant. Mademoiselle? Oui? Ouais, j'aurais vraiment pas choisi celui-ci à votre place. Pourquoi? Bon, parce que tous les propriétaires de ce casier ont eu un accident grave. Ah, c'est-à-dire que tu vas mourir dans quelques jours si tout va bien. Mais non, t'inquiète, je vais pas mourir. Tu vas voir, tu vas voir. Regarde. Rien ne va mourir, mon amour. Ça ne gêne ni la misère. Mais indiche l'occasion. Il est rayé le disque là, t'as vu? Rien, c'est le moment. T'as vu? Votre nom, prénom? Jordan Birkins. Très bien, allez au bureau de créance et vous allez là, à gauche, il y a une petite descente et vous verrez, il y a plein de monde, ok? Vas-y, c'est carré. Ouais, grosse bite. Ouais, ça va, tu m'as appelé ou quoi? Salut. Salut. Tu m'as appelé ou quoi? Tu parles pas de ton père. Bah non, mais t'as dit gros, bah tu sais, tu l'as eu tout à l'heure dans la bouche, tu m'as appelé ou quoi? Mais non, mais je parle de la grosse bite de son père. Oh putain de merde.
Bonsoir, tu vas où? Ah bah vas-y, j'allais chercher le code, t'as vu? T'es qui? Je suis Jordan Birkins, et toi t'es qui? Bah moi je suis surveilleur moi. Ah vas-y la chance. Bonjour, je vais récupérer mon code, madame, s'il vous plaît. Eh vas-y, fais la gueule. N'oubliez pas les gens. Vas-y, ça marche, c'est bon, je l'ai noté. En plus, tu kiffes ça, fais-la. T'as pas vu qu'il y avait une queue, pourtant on voit souvent et tu les repères facilement. Il vous arrive quoi là? Blixboum ou quoi? 35-58. Tu crois? Blixboum ou quoi? Que tu crois? Allez, fais la queue, ferme-la. Jordan Birkins. Jordan Birkins. Eh, dis-le tout doucement, t'as vu, tranquille. Ok, je sais. Attends. Alors c'est 50. C'est 43! Très bien, vas-y, c'est carré. Allez, passe une bonne, t'as vu? Merci, toi aussi. Allez, dans le bus, s'il vous plaît. Ok. Oui, mais c'est pas vous, justement, qui avez fait un accident? Vous me laissez conduire, Non, t'inquiète, c'était pas un accident, c'était un concours de circonstances. Ah ouais, de quoi ça me fait peur, là? On est dans le bus de celle qui a renversé le bus tout à l'heure? Mais non, c'est un concours de circonstances, j'ai pris de formation, Je vais changer de bus, Bande de chiens. Non, oh monsieur le concierge, montez, venez. Je veux prendre un peu de quoi, mais tu crois que tu vas en sortir? Viens ici, concierge, viens, tu vas aller nettoyer. Monsieur le proviseur, laissez-le venir. Encore un truc comme ça devant les élèves, tu me fais passer pour un fou? Je te dégomme. Y'a pas de ça, ici, c'est pour travailler. Eh, le proviseur, il a l'air bourré à chaque fois. Le proviseur, il est en réinsertion. Il est en réinsertion. Eh, le proviseur, il va finir au fond d'un caveau, je vous le dis, moi. Non, mais c'est un truc de fou. C'est bon. Waouh! Eh, vas-y. Elle va mettre un accident. Elle a vu. J'ai juré, c'est sûr, c'est elle encore. Non, c'est moi, non, c'est pas moi. Ah, c'est toi qui conduis là? Oh, mais lâche le volant! Monsieur le professeur de musique, demandez-nous de chanter une chanson chacun et on chante. Celui qui vient là-bas. C'est quoi ton nom? Moi, c'est Hamid. Avec la vilaine peau là sur le visage. Là. Oh, il est affreux, il me dévecte. Moi, c'est Hamid Sarfio. Il me donne envie de dégueuler. Chante-moi la bomba, s'il te plaît. Chante-la, ouais. La bomba. Bye la belle bomba. Arrête, vas-y. Tout va bien. Vas-y, c'est trop. Arrête un peu, toi, concentre-toi. Je contrôle. Mais est-ce que vous pouvez reprendre la chanson? C'était bien là. Bella Mbamba. Doucement, Simon de Bobby Moon. Mais montez. Non mais gros, mais t'as siphon ou tu... Bah force à toi, hein. Vas-y, reste concentré. Mais je sais qu'ils sont graves, tu fais conduire. Mais t'as pas dit quoi? Vas-y, on lui fait conduire. Eh, Noir, vous profitez. C'est pas où c'est? Noir, vas-y, viens, on va profiter. Vas-y, on va s'amuser un peu. Excusez-moi, Albert Einstein. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Le temps qu'il fasse demi-tour, je suis déjà à l'autre bout de la fête foraine, sa mère. Kirby, je vais pas mytho. Et tu vois ou quoi? Elle veut faire brout-brout. C'est quoi, sa brout-brout? Elle est jardinière? Bah, je sais pas, mais je crois qu'elle veut tondre ta pelouse, ouais. Ah ouais, elle veut venir à la faire? Bah non, elle veut juste bouffer la, tu vois. Me bouffer la chenille? T'as l'escalope, là. Bah, par contre, personne touche à ma bouffe parce que là, je vais commencer à péter un plomb et. Mais non, mais pas et la là, bouffe. Ça va partir. Vas-y, là, ça va partir. Vas-y. Je te le dis, y'a personne qui touche vas-y, à ma bouffe. Vas-y, c'est bon, personne touche, tranquille, vas-y, on parle de. Vas-y. On parle de ça. De ma chenille? Ta chenille, ta grosse chenille. Ma chenille, zé. Voilà, bah, elle veut la bouffer, t'as vu. Mais n'importe quoi, c'est ma pote. Et vas-y, et le temps que j'arrive là-bas, il fera jour, sa mère. Là, tu veux pas courir un peu? Vas-y, moi je marche avec style, c'est tout. Tant que tu m'ouvres. Waouh! Hey Kevin! Kevin! Oh, que je crois que Kevin il est mort, hein! Ouais, il a fait un arrêt cardiaque, hein! Voilà mon gars, c'est comme ça qu'on fait, tu vois? Hop, voilà, on est garé, c'est carré de fou. Vas-y, me parle pas de me sentir les cheveux, toi. Mais j'ai rien dit. Vas-y, décale. J'ai rien dit. Hey, tu t'es fait casser la gueule ou quoi tout à l'heure? Qui, moi? Bah oui, ils ont tous dit que t'avais dit un truc que t'avais pas dit, t'as vu? Eh, te laisse pas faire, sinon ils vont te. Tu vois, ils vont te bully toute l'année là. T'as vu le problème, c'est impose, quand gonfle les pecs, impose un peu, tu vois. Eh, je peux te faire confiance et je te dis un truc, je vais être honnête, je sais pas me battre et tout. Ça, eh, tu sais quoi, tu fais comme nous tous ici. Tu fais croire que tu sais te battre, tu vois, quoi. C'est ça la différence. Tu parles avec assurance, tu vois. Tu gonfles les pecs, tu fais comme tout le monde, tu fais le beau. Après, les gens, tu vas voir, ils vont te parler différemment, tu vois. Déjà, ils vont dire, ah, Bobby. Eh, toi, tu sais te battre? Moi, vas-y, tranquille, t'as vu. Ok, bah mais... donc je t'éclate quand tu veux, frère. Moi, je sais me battre. Voilà, là, tu prends la bonne direction. Ouais, c'est bien, mais fais. Arrête, fais attention à toi, la vie de ma mère, par contre, tu vois. Moi, je sais me battre. Fais attention parce que. Tu vas rien faire, c'est pas de. Eh, vas-y, tu sais quoi? Eh, anéantis-le. Vas-y, c'est rien. Eh, c'est rien.
Eh, on oublie, mais j'ai pas envie, j'ai pas envie de te mettre un KO. Waouh, Bobby, là c'est trop, d'assurance, là c'est trop d'assurance. Allez, ça y est, ça sert à rien, Ouais, mais allez-y, boxez-vous les gars. Ouais, non, Ça dit sport. Mais attends, C'est du sport. Mais t'es pas censé nous dire ça. Bobby, non, tu vois, Bobby, tu repars en cacahuète. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, parle avec l'assurance. Eh, moi, je vais me régler, moi. Non, bah, calme-toi quand même un peu. Oh, vas-y. Allez, réglez-vous, les gars, même. Allez, vas-y. Ouais, non, mais vas-y, on va pas faire ça à la main. Oh, mais Bobby. Oh, je savais que t'es. Je savais, il était faible, mais à ce point-là, c'est chaud de fou. Eh, mais je crois que vous l'avez tué, là. Waouh. Ça va, tranquille, j'ai les genoux solides de fou. Oh, mais je crois qu'il s'est fait briser. Il s'est fait briser la nuque, là. Il a juste fait un KO, vous inquiétez pas, c'est de la boxe. Ah ouais? Mais hé, t'es trop forte. Wow! Elle est musclée de ouf. Non, mais Bobby, hé, quand je te dis, vas-y, gonfle les pecs, mais va pas au bout comme ça, tu vois, sinon tu te fais éclater mais la gueule. Mais c'est vrai, comment je fais? Parce que... Maîtrise. Bobby, je connais le kung-fu. Moi, j'ai l'habitude de... Bah oui, elle a l'habitude, regarde. Bobby, vas-y doucement, Bobby. C'est tout ce qu'on veut te dire. Vas-y doucement, tranquille. Franchement, il y a tout à changer, quoi. Déjà. Bah ouais. Il y a tout à changer. Ouais, déjà, la voix, ensuite, le physique, ensuite... Non, Bobby, ils sont méchants, non, j'avoue. Arrête, non, tu sais pas te battre, arrête encore. Tu vas mourir, arrête tes bêtises. J'ai tenté. Par contre, juste, non, Bobby, écoute, juste tu gonfles un peu les pecs, t'as vu, tu fais genre et tout, tu fais genre, tu maîtrises la situation, mais arrête-toi quand même. Tu vois ou pas? Ah, Bobby. Je vais m'entraîner tous les jours. Ah oui, voilà, maintenant tu sais quoi faire, Bobby, tu sais quoi faire. Je vais parler avec une voix grave maintenant, j'ai pas peur. Voilà. Venez avec lui. C'est quoi les bails? C'est quoi les bails, les gars? C'est quoi les bails? Ça va se péter. Ah bah lui, il est... Non. On va les baiser. Ah Bobby, calme-toi, je t'ai dit. Moi j'ai un Glock. Eh les gars, moi je vous laisse. Je crois qu'il y a mon pote qui m'appelle là. Quel pote? Viens, papa. Wesh, non, les gars, faut que je vous laisse. Il se passe quoi? Il se passe quoi, Bobby? Frère, il a dit. Wesh, il a un Glock. Venez, il y a embrouille, il y a embrouille. Ça va et toi? Vas-y, tranquille, ça parle de qui là? C'est qui est genouné là? Oh, parle là-bas de... là! Là! Ouais. J'entends ta podasse! Wow, ah bah, elle est partie! Allez, on monte, on va à l'infirmerie, allez, dépêchez-vous! Ouais, je me suis fait gazer les yeux là, j'arrive plus à les ouvrir! Fermez les yeux, ouvrez-les en permanence, d'accord? Hydratez-les au maximum! Mais tu m'as donné un tuto, t'as redémarré un iPhone là. Mon bus, oh mince. Vas-y, tu veux que je te crache dans les yeux ou quoi? Non, c'est bon, j'arrive à les ouvrir en fait. T'es sûr? Bah, moi je peux cracher hein. Ah bah nickel. Non, prends pas le volant. Mais t'inquiète, on est mort. Ouais, on a tous fait des accidents, c'était pas que de ma faute hein. Ouais, enfin t'en as eu deux fois plus que les autres, t'as vu? Ouais, mais c'est les pronostics, ça veut rien dire. En fait, tu as une convergente qui fait qu'on a plus de chances d'avoir des accidents. Quoi, la convergente? Bah, c'est que t'es au volant quoi. Ah, ça va alors, je croyais que t'as joué autre chose. Wouah, arrête! Eh non, c'est trop, vas-y, elle! Eh non, mais elle est. Non, vas-y, elle fait péter un câble, elle! Tu conduis plus, Kaina, c'est fini, tu conduis plus. Vas-y, c'est trop. Attendez, comment ça un élève conduit là, les gars? Oh! Hop là! Et là, ça va. T'as vu comment il est tensible? Ah bon, voilà, pas d'accident! Merci. Bien joué, Kevin. C'est pas comme l'autre pétasse de Kaina. C'est vrai. Mais je vais vous insulter, mais vous parlez trop. C'est grave. Bon, passait quelque chose de très grave. Il y a l'école là, des élèves en rééducation, en réinsertion là. Ils m'ont appelé. Que quelqu'un a quelque chose à me dire ici. Si l'élève se dénonce, je pense que je peux être un peu plus clément. Il s'est passé quelque chose de grave là, la fête. Vas-y, dénonce-toi, mon ref. On sait que c'est what. Monsieur le directeur. Lead. Oui. Je vais vous dire la vérité. Tout part de Bobby. Non. On était plusieurs à être. Oh morts. Le bâtard! Il a raison! C'est Bobby! Arrêtez! Non, monsieur, c'est des menteurs! Ils aiment Bobby. Que me faire porter Bobby, le chapeau! C'est Bobby! On est plusieurs à le dire! On est plusieurs à t'avoir vu, monsieur! Mais attendez, je sais même pas de quelle histoire vous me parlez on là! On a essayé de raisonner, monsieur, mais il a pas voulu comprendre! Hey, c'est pas Bobby! C'est pas Bobby! Je sais même pas de quelle histoire il me parle! Allez, dénonce ça, Bobby là! Mais je sais même pas de quelle histoire on parle! Vas-y! C'est pas bien de remettre tout sur lui à chaque fois! C'est pas lui, il était avec nous toute la soirée! Arrête, c'est lui! En fait, j'ai compris une chose, il faut qu'on soit plus sérieux, les élèves!
Jure. Les gars, c'est toi qui dis ça. Cyber, frérot. Monsieur le proviseur. Eh, je crois qu'il est hypnotisé par la perruque. Monsieur le proviseur. En tout cas, Patoche, il se régale. Hey, hey, celui qui l'en met une, c'est un bonhomme de fou maintenant. Eh, hey, ouais, arrêtez vos conneries, les gars. Vas-y, je le fais. Attends. Vas-y, j'en mets une, les gars, sur les pages du directeur. Je le suce. Vous allez admirer. Johnny, mais t'as déjà sucé tout le monde, toi. Il est là, il est pas là, vous pensez. Personne le balance. Personne le balance. Wesh. Wow. Non, arrêtez. Oh, c'est là, c'est lui. Viens. Si on retrouve des jeunes gens en dehors de l'établissement dans la nuit, expulsion définitive. Ah ouais. On ne rigole pas avec ça, la sécurité avant tout. Pour moi, je vais pas te mentir. Ouais, pas de panique, man, tranquille. Je suis en internat, je suis loin de mes parents. Non, mais nous, on est là, regarde, il y a Tupac, elle t'a cassé la gueule, mais elle est à aussi, t'inquiète pas. Ouais, man, écoute là. C'est pour ce que t'as fait. Bah voilà. J'ai une relation particulière avec toi parce que le fait que tu m'aies mis un one shot comme ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît, asseyez-vous. Je remarque qu'au final, ça nous a rapprochés. S'il vous plaît, asseyez-vous et silence. Monsieur Lobby, est-ce que vous pouvez aller vous asseoir, s'il vous plaît? Merci. On va vous attribuer vos dortoirs. Par contre, comme je vous dis tout à l'heure, il va vraiment falloir faire un effort sur la discipline. Parce qu'il va y avoir des exclusions définitives et j'ai pas envie d'en arriver là, malheureusement. Donc déjà, pour le Jean-Charles, vous allez venir essayer de vous excuser pour les actes de violence que vous avez fait tout à l'heure. Casquette bleue, là. C'est quoi votre nom, monsieur Casquette bleue? C'est John, monsieur. C'est la salope. John, vous êtes à deux doigts du conseil de discipline. C'est du jamais vu dans notre établissement en moins d'un jour. C'est du jamais vu. Je vous le dis, vous êtes sur un siège éjectable. Et je parle très sérieusement, vraiment. Monsieur Jean-Charles, c'est un avertissement également. C'est pareil. Pour l'instant, j'en ai pas encore d'autres à l'œil. Mais sachez qu'on sera intolérable. On est une école, vous savez, de l'argent. L'argent, c'est bon, c'est vrai que vos parents, ils payent un peu, mais pas tous. Il y en a ici qui ne payent pas beaucoup. On a un très petit budget cette année, donc on essaie de faire des choses bien pour vous. Moi, je peux m'acheter une autre voiture de sport avec cet argent si je voulais et vous mettre des petits trucs tout nuls. Une perruque. Voilà. Vas-y, c'était une petite blague, non, la vie ma mère. Vas-y, j'arrête, je m'excuse. Faites attention quand même, d'accord? Bon, alors pour les élèves, ça marche pas cette télé, je vous demande un truc tout simple, de configurer une télévision, s'il vous plaît. Cassé, je crois, la télé. Il y a un problème de connexion. Tout ce que vous touchez, vous le cachez. Espèce d'incapable, à chaque fois que je vous demande un truc, vous n'y arrivez pas. Partez, allez vous en discuter. Ah ouais, après, ça, il doit montrer l'exemple. Non, mais les gars, wow. Non, c'est pas bien. C'est chaud de fou. Méchant. Non, ça faut pas. Tu peux pas mettre des coups de perruque comme As, mon ref. Dortoir numéro 2, monsieur Mouloud Kefta. Oui, c'est moi. Monsieur Barkans Jordan. Barkans Jordan. Vas-y, c'est carré, mais fais un effort par contre. Hein. Pardon? J'ai dit, c'est carré comme tape coup, t'as vu, tranquille. Bon, tu vas la fermer, bon. Tu vas tomber toi. Ok, vas-y, Albert Einstein, t'inquiète, vas-y, tranquille. Vas-y, c'est quoi ça, les gars? Oh, on est combien là-dedans, là? On est deux. Ah, vas-y, hey, tu. Hey. Toi, tu dors avec moi? Eh, hey, je prends les deux bains, je te dis. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis sur le PC. Mais non, là, t'es sur la boîte de mouchoirs, mon ref. Non, je parle à ta soeur, elle m'envoie un mime. J'ai pas de soeur. Attends, par contre, j'ai un appel de ta mère. Elle m'a dit d'aller dormir. Attends, je vais t'enculer, mais du. Ah, vas-y. Arrête de bégayer. Regarde. Reste, voilà. Reste concentré, mon ref. Calme-toi. Canalise. Attends. Quand on va se battre pour le lit du bas. Non, arrête. On va pas se battre. Je te laisse le lit du bas. Je m'en bats les couilles. Tu me le laisses? Ben oui, je te laisse. Je t'ai dit. Je m'en bats les couilles. On va se battre pour savoir qui est la daronne de qui. Mais j'ai pas de daronne. Elle est morte. T'as pas de daronne? Bah non. Ouais, vas-y. L'enfance, c'est enfance terrible. C'est tout, mon ref. Ça commence. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life. Have to be a better me.